Là, tu vas prendre une page au hasard. Tu sais que je suis dans les... Bah, d'ailleurs, vous aussi, les gars. Oui. On est dans les personnalités préférées des enfants de Journal du Mickey. Depuis fort longtemps. Mais si, on l'a vu ensemble. Depuis fort longtemps. J'ai oublié. Ça fait des années qu'on est dans le top 10. Mais non. Je te jure. J'adore cette news. Mais t'es dans les personnalités préférées des enfants. Est-ce qu'un jour, je pourrais être dans le Super Picsou Géant? Juste, je voudrais un... Super Picsou Géant, ça existe encore, je crois. Mais le Journal de Mickey, on est... Mec, je pense que le vrai succès, c'est ça. C'est tout à fait d'accord. D'ailleurs, avant que la vidéo commence, tu prends une phrase au hasard, elle définira ta journée, ton année et le début de la vidéo. Ah, donc, c'est une espèce de tarot Journal de Mickey. Défense de stationner. C'est bon. Reste en mouvement tout le temps. Tout le temps. Putain, merci, Meg. Mais oui. Là, je t'ai donné des trucs, tu sais même pas, c'est obligé qu'il s'est passé des trucs dans ta tête. Ah, ils vont me faire des trucs mystiques, les deux. Wow, reste. Vous voulez parler tarot, alignement des planètes? Ouais. Allez-y, vous voulez que je vous laisse? Ouais. Les pierres vous donnent des pouvoirs, peut-être? Ouais. Mais tu vois, ce qui est important, on n'a pas les mêmes convictions là-dessus et on s'écoute. Oh, une coccinelle. Mais voilà. Alors, tu... la coccinelle... Alors, pardon, je suis obligé de te dire. Alors, la synchronicité, qu'est-ce que c'est la synchronicité? Tu sais ce que c'est? Jung qui définit la synchronicité. Deux événements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et qui pourtant font sens pour la personne qui l'observe. Genre, tu penses à la personne que t'aimes, elle t'appelle à ce moment-là. Mais bon, combien de fois par jour tu penses pas à elle, elle t'appelle quand même pour te faire chier. Peu importe. Merci. Elle t'appelle à ce moment-là. Bon, tu vois, il y a quand même un truc un peu scientifique. Et bien, la coccinelle, bon, ma maman est disparue il y a longtemps et c'était à chaque fois que je pense à elle, une coccinelle apparaît. Et aujourd'hui, j'ai parlé d'elle, ça faisait longtemps que j'ai pas parlé d'elle. Et bim. Première page du jour, coccinelle. Comme si le hasard existait. Salut les fantômes. Le concept du jour, Éric Antoine, le grand magicien aujourd'hui, qui est vraiment le magicien. Oui, mais... Je m'applaudis. Ouais, ouais, ouais. Bravo. Bravo. Yeah. Magicien de référence en France pour la francophonie, dans le monde d'ailleurs, dans le monde. De la francophonie mondiale. Est-ce que t'as la cote aux States? Non. Français. Voilà. De référence évidemment. Et on le reçoit pour qu'il nous apprenne. Non, rien à nous apprendre. C'est pas un tour de magie. Pardon. C'est pas un tour de magie, c'est du respect. Moi, je suis excité. Il va nous apprendre des tours de magie, un tour de magie chacun, et nous allons devoir l'exécuter à la perfection. Sachez. Ah, je t'ai coupé, je suis rentré un peu tôt, mais je continue quand même, je le prends quand même. Moi, je pense qu'il faudrait que tu recommences toute ta présentation, parce que ça fait pas professionnel sur YouTube. Je pense qu'il faut que les trucs soient un petit peu plus carrés. Carré, faut que ce soit carré. Un peu plus propre, un peu, tu vois. Tout à fait. Faut de la rigueur. Oh, tu veux une version carrée? Ah oui. Vas-y, on change. C'est quoi? Pardon. Mais non, c'est carré quand tu changes de place? Oui, parce qu'il est au centre. On est un petit peu ces deux couilles. Viens voir mon petit. Sachant qu'on est des énormes merdes à la magie, c'est ça que je voulais dire. On ne sait pas en faire, on n'en a jamais fait. À part le petit tour du doigt, tu ne sais pas faire de magie. Qui a, pour le coup, lui, fait un peu... Mais c'est pas si mal. T'as l'autre version. T'as plein de versions. T'as la version où tu enfonces le doigt. Non, le doigt. Oh oui, oui, oui. Et là, oui. Et là tu... il est okay. Normal. J'ai besoin d'un stylo, s'il vous plaît. Stylo. Regarde, j'enfonce mon doigt aussi. Vas-y. Non, il faut que tu caches. Je peux avoir un stylo? Personne a un petit stylo? Bon, ok, on y va, vous êtes prêts? On y va, c'est parti. Vas-y. Non, par contre, tu veux un vrai tour de magie? Tu peux faire un truc avec le stylo comme ça, mais ça marche que pour la caméra. Vous, ça va être pourri. Clim, là, tu le vois plus, de là-bas. Et là, et tu vois, de face, ça fait comme ça, tu vois. Comme ça, là, ça marche. Ah oui, tu oui, de face, oui. Ça marche. Mais il faut le... Comment s'appelait le grand magicien italien de référence? Timurini. Ah, Houdini. 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 Alors, il était pas italien, il était américain. Houdini, écoute-moi bien. Oui, Houdini. C'est qui le magicien ici? Oui, Majax. Non. Mets ton doigt là. Illusion ah oui. Du verre. Extraordinaire. Il n'y a pas de verre dans ses lunettes. Et la magie alors? Oh, ça c'est dur. Alors la magie. Mais quand tu parles de magie, tu veux dire de la prestigitation, de l'illusion ou la magie de la vie? Arrêtez, ils vont me remettre des petites. Les arbres, les arbres, c'est Dieu, façon arbre, les arbres. Les astres, attention les astres. Moi quand je bois, je fais l'amour aux arbres. C'est un vrai truc. Quand tu bois? Quand je bois très très rarement, mais il m'arrive parfois dans ma vie. Ah, quand t'es un peu bourré? Et quand je suis un petit peu sous, quand l'ivresse m'habite, eh bien, je fais l'amour aux arbres. Je prends les arbres et je fais des câlins aux arbres. Est-ce que ça veut dire que tu bois au bois? Mais vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Pour l'autre. Fait l'un! Miaou! 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 Miaou!
Oh là là là. C'est génial quand on se découvre en vidéo. Non, on a fait un petit meet-up il y a 20 minutes, mais t'as capté? Oui, mais en fait, tu sais que j'avais vu déjà à la télé, etc. Je me suis dit, déjà, vous avez quasiment le même rire tous les deux, faut le savoir. Vous avez quasiment... C'est ça. Vous avez quasiment le même rire, et c'est sûr, j'étais sûr que ça allait partir en accident. C'est obligé. Eh bien non. Bah non, mais oh bon, attends. En fait, vous avez des accointances, et nous, on a des accointances. Ouais. Et nous, on a des accointances. C'est trop bien. Personne n'a pas d'accointances. Personne n'a pas d'accointances. Et les gens qui sont ici ont tous des accointances. C'est-à-dire, ils ont un point commun extraordinaire. C'est vous qui les payez. Ah bon? Non, ce serait... Ce sont eux derrière leur écran qui nous payent, qui les payons. Mais sans qu'ils aient besoin de débourser d'argent, c'est ça l'intérêt. C'est ça qui est génial. C'est finalement c'est de YouTube, là. Ça c'est génial. Bah toi aussi, c'est pareil, la redevance. Oui, la télé aussi, pareil, ils n'ont pas à payer. Mais les spectacles, oui. Ah, t'as intérêt à payer le spectacle, parce que là, tu nourris ma famille. Tu prépares d'ailleurs un nouveau spectacle? Oui, une pièce de théâtre en ce moment, absolument. Ah bon, oui. Bah c'est pas un spectacle? C'est un spectacle, mais c'est une pièce de théâtre. J'ai décidé de changer un petit peu de direction. Mais c'est pas... Genre là, c'est une exclue mondiale qu'on a? Première fois... Eh oui, purée, première fois que j'en parle. Tu veux que je te pitch le truc, c'est génial. Pitch-le que à lui, hein, par contre. Ah, oui. Alors, je te pitch le truc. Pardon, pousse-toi. Écoute. C'est trop bien. C'est l'histoire d'un mec, c'est 40 ans, c'est son anniversaire. Okay. Il est tout seul comme une merde chez lui. Il y a le repas, il y a des bouteilles, tout ça. Personne n'arrive. Il appelle une ex qui l'envoie chier, tout pourri. Et puis là, il pète son téléphone, il sait plus quoi faire dans la vie. Et il prend son vieux fixe. Il compose un numéro, le seul dont il s'en souvient, sa maison d'enfance. Mais attends, mais non, mais c'est une adaptation. Et il tombe sur un enfant. C'est une adaptation de quelqu'un à qui parler, le roman de Cyril Mazzarotto. Mais donc on a. Mais c'est génial. Mais là, tu es en train de préparer ton spectacle. C'est mon accointance. Oui, mais c'est ton accointance. Cyril, aller au bout. Et donc au téléphone, il tombe sur un enfant, et cet enfant, c'est lui. Et donc, il commence à dialoguer avec l'enfant qu'il a été, et puis toute sa vie change, la vie des deux change. Et c'est un roman qui s'appelle Quelqu'un qui parlait, de Cyril Mazzarotto, et on a écrit cette pièce ensemble avec Cyril, on a fait l'adaptation théâtrale. Ah, c'est bien, en plus, que t'aies bien fait les choses. Ah bah, normal. Ce roman graphique, c'est exceptionnel. Ah oui, mais ils ont fait aussi un roman graphique. Il a fait aussi un roman graphique, super. C'est psychanalytique, c'est d'abord à tous les niveaux, ça a plusieurs couches. Et quand je propose aux gens, tu sais, je les invite à lire des romans graphiques, je leur propose toujours Les Indes Fourbes, que tu connais. Tu m'as déjà montré. Qui est un chef-d'œuvre absolu. Et Quelqu'un à qui parler. Et donc ça, dans cette pièce de théâtre, tu y incorporeras de la magie, de la prestidigitation ou pas? Oui, il y a quelques effets de magie, oui. Oh, c'est trop bien. C'est quand, c'est où? Ce sera en septembre de l'année prochaine, en 24, et on est en train de discuter. Ce sera soit les variétés, soit Édouard VII, soit Marigny. Ce sera complet, j'espère. Attention, soyez vigiles, ça part vite sur billets. C'est pas encore en vente, je peux te dire. Vous êtes les premiers vraiment à qui je parle. On a fini l'adaptation, et on va faire les premières lectures là. C'est génial. Tu sais que tu peux prendre une chaise. Il n'y a pas de souci, hein, t'es bienvenue parmi nous. Hein, on t'intègre dans ton Allez, intégrité. Prends une petite tu vois, viens, tu prends la chaise là. Viens, regarde, t'asseoir. Et tu te présentes à la caméra, tu dis comment tu t'appelles, quel âge tu as. Voilà. Et on va commencer ce petit. Tu es notre ami. Bien, je m'appelle Albert. J'ai peur du grand remplacement. Donc Albert, vous êtes raciste, d'accord. C'est... Au moins, c'est clair. Il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Les gens cliquent. Okay. Ils aiment voir le petit délire, mais ils aiment le vif du sujet. Le vif du sujet qui est... Qu'on s'est rencontrés au Futuroscope et que c'était très stylé. Ouais, c'était tellement drôle. Bien, mais... Avec un astronaute. Ah ouais, c'est vrai qu'on a vu un astronaute. Ce vrai, Jean-François Kerviel. Mais... Kerviel donc un mec qui a fait 3 vols dans l'espace, qui a réparé le télescope Hubble. Oui, C'est un autre télescope. C'est un très cool aussi. Télescope. Regardez bien. Il y a nous, il y a notre énergie. Et là, il y a le vif du sujet, d'accord? Okay. Allons-y. Alors donc, l'idée, c'est que je dois vous apprendre des tours de magie. Le vif du sujet, là-bas. C'est bon. C'est pas une belle pute. C'est vrai. C'est bien parce que pour vous, on a bipé le nom de la personne. On a laissé le fou rire. C'est-à-dire qu'il y a un petit truc qui se crée en vous, là. Vous demandez de qui on parle. Vif du sujet est là. Okay. Oh, il a grossi. Et on pose des choses dessus. Sangohan, attention. Sangohan. Non, mais t'es con! Mais non, je suis pas si con. Fais gaffe, grand magicien que tu es, référence que tu es. Oui. Les gens te connaissent. Oh, écoute, j'ai envie de dire oui. Oui, je sais pas si t'as tué Musée Grévin quand même. On te connaît pour incroyable talent. C'était une bonne émission. Ah, on en parlait, tu me disais, c'est quand même de la balle. Franchement, je te dis, moi, c'est mon émission préférée. Alors, les Français préfèrent L'Amour est dans le Pré. Mais moi, c'est mon émission déjà de kiff parce que j'ai été candidat. Ça a commencé il y a 18 ans, à la première saison. Bien, ouais. La première saison, j'y étais candidat et ça a changé ma vie. Parce qu'après, je suis rentré chez Drucker grâce à ça. Après, enfin, la vie, tout ça. Et donc, ça fait 9 ans maintenant que j'en suis juré.
Bravo pour ta carrière. Dieu, Dieu donné, qu'est-ce que cette carrière fait ici. Alors, quel rapport? Qui a parlé de Dieudo? T'as dit Dieudo. J'ai dit ça. Dieudo. Ah, Dieu. Mais qu'on reçoit mardi prochain. Déjà, on parle. Alors déjà, mais cette émission est foutue. Pardon, c'est même pas une émission. Au niveau de cette carrière, tu vas nous apprendre des tours de magie. Oui. Oh, tout ça. Oh, que c'est laborieux pour arriver à juste... Laborieux. Oui, je vais vous apprendre des tours de magie. En gros, tu vas nous apprendre à présent un tour chacun. On va voir, vous allez voir notre apprentissage, vous allez voir le tour. Et ensuite, on revient ici pour essayer de le montrer. Donc, ah bah, surtout à toi, parce que toi, a priori, tu le connais, et à l'équipe qui est ici, et à vous, en essayant de ne pas se tromper, sachant qu'on est... Très moyen, qu'on n'a pas d'expérience. On va essayer de le vendre de la plus parfaite des manières, en respectant le monde de la magie. C'est assez intimidant. C'est stressant, ouais. Franchement. Ouais, franchement, ouais. On y va ? Pas évident. Ne dégraissez plus, regarde, ne dites plus rien. Au montage, on y va. Sortie naturelle. Je vais te montrer un truc qui est assez rigolo. Tu prends deux cartes, un 7 noir et un 6 noir, et tu les mets où tu veux dans le paquet. Tu peux même les faire pénétrer au sein du jeu, en toute bien, tout honneur. Évidemment, vas-y, vas-y, fais pénétrer. Voilà. Tout bien, tout honneur, voilà. Tu vois, hop. Comme ça. Et t'as juste à faire ça, 2, 3. Et putain, c'est chouette. Ça, je suis amoureux heureux. Tu sais que t'es pas le seul magicien ici. Regarde, regarde derrière toi. Et là, regarde là. Tu vois? Donc voilà, McFly et vous, devant votre écran, vous notez que le jeu est tout à fait ordinaire. Pour présenter mon tour, je vais prendre les deux premières, tout simplement, qui se trouvent être en une. Yes. Et tu vas me la glisser n'importe où. Là, merci David. Tu sais quoi, on peut même mélanger. Non. Je vais bien le faire, tu sais. J'en suis sûr, je le vois dans tes yeux. Les amis, je suis prêt. Déjà wow. Attention, je tape deux fois des mains, regardez ce qui se passe au niveau de la lumière. Magie. Mesdames et messieurs, bonjour. 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 Bonjour, vous allez bien? Vous avez ici, monsieur Koskas, un paquet de cartes, on ne peut plus classique. Combien de cartes dans un paquet? 52 cartes, comme les 52 semaines de l'année. Et comme les 52 doigts de la main. Non mais tu sais, moi, tu me prends. Tu me prends. Un paquet classique, je n'arrive pas bien à faire le volet stylé. C'est tout à fait logique, pour des raisons évidentes. Mais tu valides, touche les cartes, ce sont des vraies cartes. Petit paquet, acheté à Monop ou je ne sais où. Moi, je pense que c'est plus. Un peu plus, ouais. Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm. Ce qu'on va faire, issu de ce paquet, on va sortir deux cartes, par souci de facilité, les deux premières cartes, d'accord? J'aime bien un petit côté scientifique, un petit peu, c'est chouette. Petit côté, je ne sais pas. Professoral, hein? Ouais, tout à fait. Ouais, c'est chouette. On aime bien. Un magicien qui maîtrise un peu son sujet, c'est chouette. Donc, qu'est-ce que vous sortez comme carte, jeune homme? Les deux premières, regardez bien, on a une 6 noire, mm-hmm. une 7 noire, d'accord? Oui, David? Je vois. Je vais te demander, et tu sais quoi? J'ai pas envie d'y toucher. J'ai envie qu'on se fasse confiance, c'est toi qui vas les mettre, tu vas en prendre une et tu vas la mettre n'importe où dans le paquet. Là, je prends. Là, je prends et je la mets dans le paquet, celle-là. Dans le paquet. N'importe où, dans le paquet. Cartes. Dans le paquet de cartes. C'est vrai qu'il y a un vocabulaire très sexuel. Merci de préciser. Mm-hmm. Et l'autre, ah là, elle est perdue. Tu la mets absolument où tu veux. On peut pas la retrouver. Aussi. Et effectivement, ça semble impossible à retrouver vu comme ça. Mais moi, là, je sais même plus où c'est. Bah non. Mon but ici. Moi, je sais, elle est en 12e et en 27e position. Pardon. Mon but ici, tu l'auras compris, vous l'aurez compris, va être de retrouver ces deux cartes. La 6 noire, la 7 noire que tu as sorties au préalable. C'est pas une mission très facile, j'imagine, sur un paquet de combien de cartes? 52 cartes. D'accord, mais vous aimez les énergies? Moi, j'aime le concret. On mélange les deux et on se dit qu'on va essayer d'y arriver plus ou moins facilement. J'ai une petite idée de comment t'as fait. J'ai une grande idée de comment t'as fait. Je sais comment t'as fait. Je préférais la version. C'est génial. Mais par contre, c'est extrêmement bien fait. J'aime ce truc de devoir parler, habiller le truc avec du verbe. C'est, oui, ça me plaît beaucoup.
tout à fait. Et tu es fier de ton élève. Bravo, jeune Padawan. Vous avez vraiment été excellent. Il y a un grand avenir d'escrocs qui s'ouvre à vous. Vraiment, très félicitations. Je tiens à dire, notre communauté les plus fidèles le savent, j'ai un autre tour avec mes testicules que je peux te montrer en off. L'hélicoptère. Je sais ce qu'on va faire. Vous allez voir, ça va être super. On va faire le jeu, faire mon tour et tout. À la fin de la vidéo, on va couper les caméras. Et il te montre le tour et on met juste le son pour vous. Très bonne idée. Et vous allez voir, parce qu'à mon avis, avec Eric, ça va être très très bien juste le son. J'ai pas envie. Osmar, si t'as pas envie, alors non. Si t'as pas envie, non. Ouais, si j'ai envie. En vrai. C'est logique, attends. J'ai envie maintenant. C'est parce que, en plus de ton aspect populaire, on voit aussi que t'es très cool. Donc on te suggère ça. Allez. Ça n'est. Comment dire? C'est de la magie. Okay. Pour lui. Oui. Pour moi comme pour lui, mais... C'est juste, faut que tu saches, tu vas voir des couilles humaines. Faut juste que tu accèdes à ça. Et puis t'as quel âge maintenant? 37 ans. Ouais, ça se détend. Ah oui, en plus ça... Et du coup, c'est à l'avantage encore, du tour. C'est encore mieux. Tu verras. Et bah bravo, en tout cas, ce qui est cool, c'est que j'ai bien des idées, mais je me suis fait, pendant dans le tour, avoir, et j'ai eu le truc du spectateur qui passe un moment, qui tout dit, mais c'est pour comment on arrive. Je suis content. J'espère que les gens ressentent un peu ça. Même si du coup... J'ai juste théorisé un peu. Il y a les tours que tu fais en live, mais il y a les tours qui sont filmés. Est-ce que c'est une manière de faire de la magie différemment? Tu vois ce que ouais, je veux absolument, dire? Oui, absolument. Parce que le cadre, ben, c'est que tu choisis ce que le spectateur regarde. Alors que dans la vraie vie, tu ne choisis pas ce que le spectateur regarde. Enfin, le spectateur pense pouvoir voir ce qu'il voit. Mais c'est en fait, le magicien, un des talents du magicien, c'est de maîtriser le chemin de regard. Voilà, donc il y a tout quelque chose à dire. Ouais. Donc la caméra, évidemment, aide à faire certains tours. Tu t'enchaînes direct? On garde la lumière? On rallume la lumière. Deux, c'est simple, ça se passe comme ça. Oh, bravo, on peut les féliciter, bravo. Vous avez déjà un jeune Padawan. Je devais taper deux. Ah, il voulait juste clapper. Ah oui, c'était juste taper. C'était décalé. Ok. Tu prends deux cartes et tu plies la première carte dans le sens de la longueur, comme ça. Je plie la carte, là, t'es en train de me dire que voilà, ça. Voilà, là, t'en plies une dans le sens de la longueur et t'en plies une dans le sens de la largeur. Ça me stresse de faire ça. C'est genre un tour, tu dirais quel niveau? Le tour, c'est un secret très, très secret qui, genre, déchire sa mère sur trois générations. Et après, tu mets une carte dans l'autre. Et là, si t'as fait la même chose que moi, c'est assez chouette, c'est que t'as une espèce de trou noir. C'est-à-dire que c'est très chouette. Ah, c'est génial, bah, regarde, esprit. C'est ouf. Pareil. Toi qui es passionné de physique quantique, c'est un trou noir, il y a un retour dans la réalité. Et là, on est dans le multivers de l'autre côté. Je comprends, mais pardon, mais si tu m'avais dit, j'aurais mis le trou noir directement. Tu peux faire tout vérifier, tu déchires la carte, tu donnes. Tout est normal, les moitiés vont bien ensemble à la perfection. C'est chouette comme toi. Bah, il est super, mais je vais jamais y arriver. Mais si, c'est quand même une idée, elle est simple, mais il fallait y penser. Allez, je m'entraîne. Allez. Oh, excusez-moi, vous avez un nom de magicien? Bulbizarre. De Pokémon et de magicien. On a trouvé Bulbizarre. Est-ce que je peux pratiquer le changement de lumière? Ah, je t'en prie. Oh. Il y a deux styles. Oh. Je sais pas où je vais. Ce tour, tu vas le faire avec moi, Carlito. Pas à toi, je suis désolé Eric, mais Carlito, tu vas le faire avec moi. On va sortir un peu du truc, du magicien qui fait son tour, et tu vas être aussi actif avec moi, je pense que ce sera pas mal. On va commencer par, là je vais essayer d'être stylé dans le mouvement, choisir des cartes. Une petite tu peux prendre celle que tu veux. Voilà, le canal de Gizé. C'est un peu raté. Pas mal. Donc t'en prends deux, celles que tu veux au hasard. Celles qui sont sorties un peu déjà? Non, celles que tu veux. Tu peux choisir absolument où tu veux. Je les regarde? Tu peux les regarder et tu peux me les montrer, on va voir ce que t'as. Je les montre à tout le monde. Oh, tous les deux, vous avez pris un valet. Tous les deux, un valet. Valet de trèfle, 6 de cœur. Ok, très bien. Maintenant, tu vas faire comme moi. Et là, la première partie, elle est vraiment dure. Tu prends la première carte que tu veux, par exemple le valet, si tu veux, comme moi, et tu vas la plier dans la longueur. Et c'est horrible, ça fait mal au cœur. Et on gâche. C'est pas grave. Oui, je sais. C'est offert, c'est la maison qui offre. Bah oui, parce que t'as un pouvoir d'achat conséquent, mais... Donc tu plies bien. Il y a un budget. Tu y vas franchement quand même. Je la plie. Faut plier, mais plus que plier, tu vois, il faut y aller avec les ongles, les fameux ongles que j'ai là. Tu vas prendre la deuxième et tu la plies dans ce sens-là, cette fois-ci. Dans le sens de la largeur. Dans le sens de la largeur. Pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est dans la largeur. Génial. Merveilleux, c'est fait avec beaucoup de précision et beaucoup de t'as envie de bien faire. On sent que le mec a envie de bien faire. Tu plies bien comme il faut. Voilà, merci beaucoup, voilà. Mmh. Et maintenant, tu vas faire comme moi, c'est-à-dire que tu vas prendre la première et tu vas la glisser dedans. Tu vois. Tu prends la carte, la longue dans la longue dans la courte.
Mmh. Oui, il n'y a aucun souci. Tu la mets d'autant, c'est très simple. Ouais. Je suis comme un enfant, je ne dis rien, je suis heureux. Non, mais c'est chouette. Et donc maintenant, on va faire un truc. C'est que c'est là où il y a la magie qui apparaît. Est-ce que tu crois au multivers? Est-ce que tu crois à l'existence d'autres mondes parallèles? C'est très drôle. Ça fait une demi-heure que je prouve que moi, c'est... Quelle est la question? Mais la question précise, est-ce que tu crois qu'il y a des, voilà, des univers parallèles dans lesquels voilà, les choses sont différentes, parfois inversées ou complètement d'accord. différentes? Par exemple, dans un univers parallèle, David n'a pas de cheveux, voilà, toi, t'as une queue de cheval, tu vois, un truc comme ça. Là, pour ce tour, si tu veux que ça marche, il faut que tu y crois. Donc, il faut que tu fasses l'effort, s'il te plaît, pour moi, d'y croire. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre comme ça, comme moi, la carte. Tu vas faire la même chose que moi. Prends la carte comme ça. Et tu vas répéter après moi. Le multivers, j'y crois dur comme fer. Maintenant, le monde est à l'envers. Quoi? Et cette carte fait office de portail. Fais-le maintenant, essaye. Dis bien, crois à la formulation et fais-le. Alors l'avantage, c'est qu'on me dit une phrase, je la retiens tout de suite. Mais alors par contre, on me montre un truc, je la retiens pas tout de suite. Ouais, donc c'est juste... la mémoire photographique. Ouais, t'as plus sonore. Une mémoire audio. Le multivers. Oui, non, bah enfin. Ouais. Le multivers, j'y crois dur comme fer. Maintenant, le monde est à l'envers. Tu crois pas assez. C'est vraiment un truc, tu vois, faut être sûr que ça arrive. Oh, j'ai la honte. Je rêvais que ça se passe comme ça. Faut montrer à tout le monde, tu vas faire comme moi, tu mets au milieu, comme ça tu déchires tes cartes, comme ça on va bien prouver aux gens que... Vas-y, tu peux déchirer au milieu. Vas-y, pose. Tu peux déchirer. Là, je déchire, hein. Ouais, tu déchires. Là, je déchire. Et là, on va pouvoir prouver à tout le monde que toutes les cartes étaient bien. Mais c'est dur à déchirer. Depuis le début. Bon, ne déchire pas si c'est trop compliqué. C'est pas grave, regarde, c'est plutôt les siennes qu'il faut regarder. Donc voilà, tu peux vérifier maintenant que c'est bien les cartes qu'il y avait au départ, qui sont les mêmes. Tu vois, il y a... Purée, vérifier, recréer, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de truc. Chouette, hein. Mais moi, j'ai raté. Toi, t'as pas raté. Non, pas t'as pas raté. Toi, c'était un tour de magie. Dans le t'as tour de joué magie, ton rôle de naïf. Ah, et toi, oui, toi, tu devais réussir. Voilà. Voilà. Et t'as réussi. Oui. Ouais. Moi, j'ai raté. Ouais. Comment t'as fait? Eh oui. C'est ça, le principe. C'est chouette. En fait, dans le tour, c'était génial. Fait exprès de pâtir. Hein. Il est beau, celui-là. Hein. Il est très, très rare. Ah, c'était fait exprès de me faire rater. Ouais. C'était, ouais. Ça. C'était ça, le petit effet. Ah, j'ai cru que c'était un fail. Oui, non. Ah, j'adore quand ça fait ça dans les tours. Ah oui, je mets du temps, hein, comprendre. Ouais. Qui retient vite les phrases, mais pour les comprendre, par contre, c'est une infinité. Tu te moques, bah dis-moi ce que tu penses de moi sincèrement maintenant. J'adore, je te trouve pétillant, je te trouve intelligent, je te trouve libre, je te trouve super, un peu chiant de temps en temps, mais tu travailles tellement dessus que ça va. Et toi, tu penses quoi de lui? Belle chemise. Alors. En plus, c'est pas vrai, il aime pas ma chemise. Je la trouve infecte. J'adore ce moment. C'était génial. Ouais, mais bien. Très bon. On dit pas aux gens. Mais moi, je suis bourre. Mais attends, déjà, est-ce que je l'ai un peu bien fait ou... Franchement, tu l'as très, très bien c'est fait. C'est vrai. Et je trouve le multivers, la phrase, la présentation... C'est vrai, je l'ai créé un peu. Ouais, franchement, t'as créé du level. T'as monté le level. Ouais, vraiment très, très, très bien. Mais tous les deux, très bien. C'est vrai, t'es content? Ah oui, vraiment. Bah, c'est une réussite. Vous avez fait honneur au secret que je vous ai confié l'un et l'autre. Et c'est vrai que tu nous... Et d'ailleurs, merci parce que tu nous as apporté deux tours qui étaient à la fois... facile dans le sens pas où c'est si pas facile c'est pas du niveau 1 non, c'est 2 3 4 entre 2 et 4 ça dépend mais c'était noms. Hyper agréable à faire, c'était pas un truc où tu te disais tu sais il y a trop de trucs à savoir faire, c'était c'est vrai, c'est pile vrai, juste donc t'as apporté vraiment les tours parfaits donc merci à toi. Et t'as une idée de comment j'ai fait ou pas du tout? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Okay. Sachant que pour les gens, je crois que l'équipe on rit un peu. J'ai un peu raté à un moment mon truc, mais heureusement t'étais sur autre chose et je crois que ça peut être drôle pour les gens. C'est zoom sur moi genre. C'est fait avec beaucoup de précision et beaucoup de. Ouais, Je veux dire, à un moment il s'avance, il parle. Il m'a un peu sauvé. Il m'a sauvé la mise sur deux trucs. Deux trucs où j'étais là genre. Bon, bah, en fait, t'as fait. C'est pas du tout c'est magique. Quasi ça. Franchement, quasi ça. La magie existe-t-elle? Dans l'œil de celui qui veut bien la voir. Il y a une phrase que j'adore, c'est Arthur Clarke qui dit que tout technologie est compréhension, science très avancée et magique pour quelqu'un qui n'a pas encore ce savoir. Donc ça, c'est une manière très scientifique de dire que la magie, voilà, c'est juste une question de perception et de manque de connaissances en réalité. Il y a une phrase de Dooms, le rappeur, qui dit « Mes bracelets font les ambiances quand j'enregistre. » Tu vois, donc là, vous êtes là « physique quantique, Mr. Clarke a dit... » Necfeu,
Nekfeu. Dooms, Némir. Et c'est Baby Lily qui disait qu'il y a du caca kaki collé au cucu. Absolument, et Carlos disait tire les pimpons sur le chihuahua, il me semble. C'était quand même pas mal. Et ton père. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo, c'était incroyable. Vous voulez un tour de magie ou pas? Ah oui? Un petit tour de magie pour finir. C'est génial de demander ça à la fin un peu. Au fait, bon. Allez, c'est vrai qu'on l'a pas fait au début. Tu sais quoi? Non. Non? Allez. Ah oui, c'est vrai. Je dis ça. T'imagines le mec qui est au resto? Vous voulez un tour de magie? Il est connu pour ça. Non. Et au fait, mais pas. Non. Viens. Non. C'est drôle. C'est vrai? Mais il l'avait préparé. Plus, non, c'est génial. C'était un putain de tour, je vais pas le faire, c'est génial. Mais non. Ah, c'est un tour de ouf. Ah, il sait comment nous avoir. Ah, mais je le ferai pas. Il est brain. Mais je le ferai pas. Regarde cette main. C'est nous brain. Ah non, c'est génial. Je le ferai pas, c'est fantastique. Ah non, c'est génial. C'est mieux de pas le faire. T'as un bête de tour. Ah, mais une tuerie. Une tuerie. Genre un miracle. En fait, c'est le tour qui m'a rendu connu en 2006. C'est avec ce tour que j'ai fait ma carrière. Et on le fait pas. On le fait pas. Si, c'est quoi? Si vous voulez le voir, abonnez-vous à ma chaîne. J'ai une proposition. Oui. On le fait, mais ça sort plus tard dans l'année, n'importe comment, comme par magie. Ah, ça c'est rigolo. Au milieu d'une vidéo. Ouais, et maintenant. Et maintenant, le fameux tour de magie qu'on n'a jamais tour mis. On le fait, mais c'est glissé au milieu d'une autre vidéo. D'une autre vidéo. Sans transition. Et les gens sauront, ils diront bah oui, j'étais pas venu. Les gens qui sauront pas diront bah. C'est dans, dans les 15 prochaines vidéos, à un moment, voilà. Ça ne sent rien. C'est drôle. C'est la fin de cette vidéo. Maintenant, j'ai une question à te poser. Et il faut que tu vois si tu es consentant, tu dois le certifier ici. Est-ce que tu es OK pour voir mes couilles? Oui, je suis OK. Mesdames et messieurs, la vidéo s'arrête maintenant. Vous êtes au son. On n'a que le son. Toute l'équipe n'est pas obligée de regarder. Non, je vais montrer à... Non. Tu peux reculer. Assieds-toi sur... là, sur le rouge. Non, là, sur celui-là, sur celui-là. Vous allez... Gaël, Mektoub et Bat avaient déjà vu ça dans une vidéo. Je dis quand t'es prêt. Attends. Totalement prêt. 3, 4. Regarde bien les coucouilles. C'est dur de vivre avec ça. C'est magique, non? On va jamais l'effacer. Mais non, you cannot unsee it. Tu ne peux pas dévoir quelque chose. Tu l'as vu, c'est fini. C'est pour ça que vous, non. On peut aller aux States avec ça. Ah oui. Ah, mais mec, tu fais un énorme tour aux States. Tu fais la pièce de théâtre. Après, tu, tu vas aux États-Unis. Okay. Et tu finis à Las Vegas. Et le dernier tour de Las Vegas. Ah waouh. Ah waouh. C'est fou, hein. En fait, c'est la dick pic ultime. Oui, c'est ça. C'est tellement. La boss pic. Oh, wow. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Eric-Antoine d'être venu. C'était un bonheur de t'avoir, on s'entend très bien. Oh, wow. Beaucoup d'excitation. Merci et force à tous les magiciens et magiciennes de France qui nous regardent. C'est un travail de fou ce que vous faites. La concentration, la discipline qu'il faut pour arriver à faire ça, c'est fou. On n'est même pas à un pourcentage. On te vanne là. Je comprends, mais c'est important de dire ça, ça me tient à cœur. C'est fini la vidéo.